Les amis, est-ce qu'on fait une pause dans la quête principale pour aller dans une arène? Qu'est-ce qu'ils en disent, ceci, cela, les saucissons secs? Est-ce qu'on va se faire ça ou pas? On est à 48, on est à 42 ici. Attendez, on va quand même aller vérifier sur salle sur demande. La reine interdite, maudite. Go la reine, ok. Ok, bah vous savez, on va faire ça. Vous savez quoi, on va faire ça. Juste, alors, vous m'en voudrez pas. On va juste aller rapidement, très très rapidement, en pièce secrète, on va aller dans la salle sur demande. On va aller dans la salle sur demande, on va identifier les objets qu'on vient de récupérer pour voir s'ils sont meilleurs. Voilà, bah, de toute façon, ils sont bien meilleurs. Ils sont bien meilleurs, donc on a bien fait de les identifier. Et on va les équiper. On va les équiper. Ils sont là. Donc, celle-là, elle a 64, 61. Celle-ci, dégâts infligés par les araignées réduites, on s'en bat les couilles. Par contre, celle-là, lacération, dégâts accrus avec Diffindo. Le problème, c'est qu'on n'a pas Diffindo, donc on s'en bat les... On va enlever ça tout de même, c'est ridicule. Laissez-moi tranquille, voilà. Donc ça c'est bon, on va juste lui changer ça. Ici ça n'a pas bougé. Ici ça ne bougera pas. Et là non plus, comme on l'avait dit, je crois, bah on est pas mal. Métier à tisser et on se casse. Alors allez où mon écharpe? C'est laquelle? C'est celle-là qu'on a nous. C'est celle-là, oui. Et à niveau 3, évidemment, au niveau 3, il faut de la fourrure de flaireur, mais on n'en a pas. Ça casse les couilles. Et là il faut du dirico, donc on s'en fout, donc on va juste mettre ça. Voilà, très bien. Maintenant, on se casse. On va deux spi après au lard, qui va nous rapprocher. Et on va aller vendre le trop-plein. Et ensuite, on va dans la forêt interdite. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après au lard. Effectivement. Action. Merci, Man. Est-ce que je peux vendre ici ou pas? Réveillon. Et ça commence déjà à me rendre fou. J'entends un truc. Il est là-haut, il est forcément là-haut, c'est sûr. Ok, ouais, il est là, il est à côté. Uniforme. T'es où? T'es où? T'es où? J'ai pas de casque. T'es où? C'est toi? Réveillon. Il est là. C'est bon. T'avais pas vu. Ok, c'est bon. Trouvons juste un magasin à deux spi pour vendre, voilà, pour vendre nos trucs et on trace. Oh merde, elle vend rien, elle, c'est vrai. Fais chier là, pourquoi t'as été une boutique ouverte et tu vends rien? Bosse un peu au boulot, hein. Entrez, faites un tour. Et salut, si vous avez mangé des chocos grenouilles, ne touchez à rien. Ah non, mais y a rien qui est assez bien ici, on l'a déjà dit. C'est pas assez insane et on va vendre tout ça. Ah, on va se faire de la thunasse. On a 5000 balles, les amis. On peut aller acheter le balai, vous savez, du mec. Mais je sais pas si c'est... Ma femme l'a acheté, j'ai vu ce que c'est. En fait, c'est un balai qui va plus vite. Il est pas spécialement beau. Mais il a une traîne derrière lui, il bombarde plus, quoi. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez Rébellion. Pas. Il y a un coffre ici. Oh, il y a... C'est vrai qu'il y a un coffre. Et surtout, il y a un tintillement encore. Attends, mais on l'avait pas fait, ça. Le tintillement, normalement, il est là. Il est ici. Rébellion. Ah non, bah, il y en a un autre, alors. Bordel, ça me rend fou. Hein. Ce truc-là me rend zinzin. Me rend zinzin. On va aller chercher le coffre. Tu vas me rendre fou avec les dingues. Ah non, mais moi aussi ça m'en fout, je te rassure. Hein. Rébellion. Il était là, voilà. Ah ouais, mais c'est ça, t'es obligé d'explorer partout. D'ailleurs, je suis en train de penser, les gars, qu'on est niveau 21, donc j'ai un point de plus. J'ai un point de plus. Ok. Alors, carte du monde. Les petits amiches. On va aller là. On va essayer de trouver cet endroit. Non, mais les coffres comme ça, c'est 500 balles à chaque fois. Hein, je ne mijote rien du tout, demandez. Laissez-moi tranquille. Ok. Maintenant, il faut qu'on trouve la reine. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, elle doit être dans la forêt interdite. Donc, if forêt interdite, elle doit être par là.
doit être dans un truc ici, là, quelque part. Voilà, elle est là. L'arène de combat de magie noire. Voilà. Donc elle est ici. Nous, on peut pas aller faire ça encore, puisqu'il faut atteindre le niveau 22, donc ok. Les amis, ça va être la magie noire, là. Là, vous vous rendez compte que Calvius va utiliser les sorts impardonnables. Oui, je le dis en criant. Bien sûr. On va se TP là. Bonsoir. Ok, qu'est-ce qu'on se met? Cœur. Est-ce qu'on met ça en plus longtemps? Est-ce que on augmente la portée de Revelio pour devenir encore plus fou? Magie ancienne se remplit davantage lorsque vous touchez des ennemis dans les airs avec un lancer de base. Ça peut être pas mal aussi. Après, en magie noire, on n'a rien à mettre, on a tout pris. Et en sort. Vas-y, tu sais quoi, je vais mettre ça. Comme ça, j'aurai les deux sauts. Faut avancer avec Sébastien, rien à voir avec les levels. Si, si, regarde. Regarde ici. Là, atteindre le niveau 22. Je suis pas niveau 22. Regarde, attends. Tu vois pas, mais. Hop. Donc c'est pour ça que je peux pas le faire dans l'ombre de la mine. Sébastien attend près de l'entrée de Belvédère, mais si j'y vais, ça ne marchera pas là pour l'instant. Faut que je sois niveau 22. Et comme je suis niveau actuellement 21, c'est ça, hein, je crois. Ouais, je crois que je suis niveau 21. Personne ne regrettera une vermine dans ton genre. Ok, ok, Iron Man. Ceux qui estiment que leur plan est le seul qui pourrait nous mener à la victoire ont la mémoire d'intérêt. Tu n'as rien à faire là. Ah bon, j'ai rien à faire. Tu ne survivras pas à cette expulsion. Où est le Home Goblin? Expulsion. Bon, on l'a explosé. Très bien, ça m'a fait rire, ça m'a... Désolé, ça m'a... on l'a transformé en petite merde. Revelio. Alors, nous, on est en full Revelio, les amis, parce qu'on doit péter, je crois, ces trucs-là. Il y en a un qui est là. 10. Revelio. Le dernier est là. Arène de combat de magie noire. Combattez des vagues d'ennemis dans cette arène de combat en utilisant des sortilèges impardonnables. Avada Kedavra, Impero et Andoloris, ainsi que les maléfices explosifs Confringo. En plus infliger des dégâts uniques et dévastateurs, les sortilèges impardonnables brisent tous les charmes du bouclier. Oh fuck. Fuck mates. Alors attends. Ok, c'est les mêmes. J'ai les mêmes sorts tout le temps, j'ai que ces sorts là, d'accord. Ok, très bien. Yaaaaaah! Non, je l'ai tué! Je suis maléfique! Aïe! Tu l'as fait! C'est toi qui as vénéré tes hippogriffes. Tu vas le regretter. Antonoris. Elle a Petrificus Totalus. Et ouais, elle danse avec moi maintenant, mon pote. Bah, lui reste 1000 hein, maintenant. Confringo. Le pauvre, on va lui mettre 1900 dans sa main. J'ai réussi. J'ai vaincu un serpent cendre. Rien que ça. Bah oui, mais t'as fait des sorts un peu violents. Ah, oh fuck, mate. Confringo. Antonoris. Tu souffres? Et lui il les défonce. C'est, là, c'est la reine des sorts impardonnables. Hein. Ici, ça blague pas. Hein.
Je vais ne devrais pas voler les hauts. Désolé, Bob. Tu croyais pouvoir m'échapper. Confringo. Antonoris. Antonoris. Contego. Voilà. Zéro. Prends cher, hein. Je sais que c'est... Antonoris. C'est toi qui as libéré Treadwell, n'est-ce pas? Expulsion. Confringo. Zéro. Souffre de ma puissance. Je sais pas. Il faut que je tue avec Vada Kedavra. C'est vraiment le fire. Aïe. Il n'arrêtera jamais les fidèles. Confringo. Tu ne m'arrêteras pas. C'est dur. Antonoris. C'est dur parce qu'il tape fort. Et comme j'ai des gros cooldowns sur les spells. Confringo. Merde! Je vais pouvoir riposter! Oh, Non, franchement, j'ai mal géré. Ok, je sais comment ça fonctionne. Je suis en cooldown. Ça marche. Pas de soucis. Confringo. On a eu assez. Tu fais vite. Ah, ok, d'accord. Elle me fait chier. Finité. Confringo. Voilà, tu souffres, hein, bouffon. Elle est où, elle? Je vais garder Avada Kedavra. Ok. Dommage que personne n'ait vu ça. Un intrus. Zéro. Avada Kedavra. Antonoris. Vas-y, bats-toi contre ton pote. Confringo. Putain, c'est qui tente, hein, en vrai? Je suis un mage noir. Tu es un tueur, Harry. Tu veux la jouer avec moi? Oui, on l'impéro sa mère. Y'a pas de shield avec moi, y'a pas de ça avec moi, je te dis direct. Non, par contre, j'ai... Mais... Des fois, je fais des... Je bouge, en fait, hein. Oh la vache.
suspect fixe. Un humain. Aïe 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 aïe. Ah bordel. Sans un. Oh, il est avec nous quoi. J'ai plus de soin. Un peu overkill à Avada Kedavra. Il y a une autre vague. Oh, je vais hurler. Non, pas eux. C'est tout. Ah ouais, t'es avec moi. Par contre, vous avez vu les bons dégâts qu'on lui colle? Oh, mais il est niveau 23 juste. Un petit Impero, hein, reste avec moi, mec. Hein. Ah, il a un club, bordel. Tu es mon ami. Tu es mon ami. On va attendre un petit Avada Kedavra, hein. Reste avec moi. Trop, non, c'est trop. Vas-y, j'ai utilisé tous mes trucs dessus. Confringo. Avada Kedavra. Bon, Avada Kedavra, c'est vraiment très fort. Voilà. J'ai essayé de le sentir jusqu'à Londres. Vague finale. C'est quoi ce bordel? Ok. Je vais te faire. Je vais te garder au cas où s'il y a un truc de fou qui arrive. Mais... merde. Ouais, toi c'est vraiment. J'ai bien fait de garder le Avada Kedavra et pas partir en légende. Je le sens très mal ce bordel. Oh oui. Pas mal. Avec un ami, heureusement. Il en reste encore pas mal. Hein. Il arrive à survivre, ce sera un miracle. Ouais, tu me mets avec moi. Tu es dit, Terre en cendre là, il est chaud. Chaud sa mère.
expulsion. Il est mort. Il est mort, je vais prendre ça. Confringo, expulso. On te nourrisse. Attendez, c'est d'accord. Personne n'en reviendra que j'ai vaincu un serpent cendre sans aucune aide. Les amis, c'est réussi. Et c'était pas si évident, hein. On a réussi parce que t'as que 4 sorts et du coup les cooldowns sont ahurissants là-dessus. Ouh, je connais le sort ultime, mesdames et messieurs. Merci. Oh là là, Kylian qui offre directement 5 subs. Merci beaucoup. Oh, on a réussi notre défi, notre arène. C'était pas évident, je pense qu'on pourra faire mieux en vrai en termes de résultats. Mais ça demandait de pas faire n'importe quoi. Je crois qu'on a débloqué des trucs, hein, par contre. En vrai, déjà, on est passé niveau 22, donc on va pouvoir continuer la quête après cette petite interlude de magie noire qui nous donne... Oh ah, pas mal, ça. Je vais le prendre maintenant. Donc ça, c'est cool. Et du coup, attends, est-ce qu'on n'a pas eu des petits trucs à débloquer, là, non ? Quête... Enquête, tout est récupéré. Non, voilà. Terminé 4 devoirs. Hop, le truc du premier de la classe, c'est pour moi, c'est cadeau. Salle sur demande, est-ce qu'on a des trucs à récupérer? Oui, non. Non, pas l'impression. Guide du sorcier, on a 42%. Les amis, on a ça à récupérer. Exploration. Ok, combat. Je sais pas, ouais. Parce que les duels. On a eu du mage noir. Voilà. Mais je suis sûr qu'on a débloqué, non, du cosmétique, il me semble. On n'a pas eu du cosmétique pour la teuté, là. Tiens, c'est ça qu'on a eu, là, je crois. Masque du dueliste. Il est stylé, en vrai, le petit masque du dueliste, mesdames et messieurs. Watashino namaiwa Kaviusdes. Il est vraiment... Ouais, c'est Sauron, là. Très sympa. Après, vu qu'on pour l'aventure, nous, on met rien... Mais quand on se fera notre truc de mage noir, il va me régaler. Les amis, je pense qu'on peut enchaîner du coup avec dans l'ombre de la mine directement. Même si on pourra aller récupérer d'autres sorts. Soit on continue l'histoire, soit on fait tous les devoirs pour avoir tous les sorts, comme vous voulez. Dans les deux cas, de toute façon, il faudra tout faire. Mais sinon, on peut continuer la quête principale. Je pense que là, la quête principale, c'est très bien aussi. Hein. Donc, comme vous voulez. Tous les sorts. Devoir. Ok, je vois que vous voulez qu'on fasse les devoirs. D'accord, très bien. Bah écoutez les gars, on va aller. Alors qu'est-ce qu'on a? Obtenir un Dirico avec le sac de capture, obtenir un crapaud violet géant avec le sac de capture. Vous savez quoi? On va aller faire ça. Ça va nous changer un petit peu. On va aller faire des... On va aller chercher Bombarda. Parce que Bombarda et Difindo sont les deux derniers sorts de la catégorie rouge. Donc gros damage, on va dire. À récupérer. Juste ce qu'on va faire, c'est que effectivement, faut qu'on aille récupérer le sac à nouveau ici. Et on sera très bien. Et on va se mettre ça avec le sac. Et le sac, on va le mettre là. Pour les capturer. Ce sera très bien. Bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Obtenir un Irico avec le sac ? Où c'est qu'il nous amène du coup avec tout ça ? Le bug. Apparemment, c'est par là. Vas-y, bah très bien, on va aller par ici. Normalement, j'ai une poudre de cheminette là qui est pas loin, qu'on avait là. Oui, là. C'est ça. Tu peux débloquer des Sendo avec un simple combo Levioso. J'ai pas regardé pour des Sendo, attends, je vais aller voir. Parce que si on peut mêler l'utile à l'agréable. Des Sendo, c'est assister au cours de divination pendant la journée. Ah ben voilà, faut quand même aller chercher le cours. On le fera après. Là, on va aller chercher Bombarda, ça nous fera un petit peu de trucs sympas à faire. Je vais prendre le balai, tiens, ça va changer. Je bombarde ma mère. Oh là, monsieur. Je passe entre les arbres. Je suis un génie. On va aller faire le défi qui est sur le chemin. Ils sont...
sont là. Putain, le balai, des fois, j'ai vraiment du mal. Balai, c'est dur. Je sais pas si ceux qui jouent trouvent comme moi que la maniabilité... En fait, la maniabilité, elle est pas mauvaise. Juste, elle est difficile de prise en main, je trouve. Ma femme, elle y arrive vraiment pas du tout, par exemple. Et j'ai dû lui faire la course contre la meuf parce qu'elle y arrivait pas. À la manette, en tout cas. T'as déjà calé en balai? Non, on cale pas, quoi. On s'en sort, mais... Effectivement. Ok, regardez, des créatures. Les amis, alors... Je devrais regarder ça de plus près. Les vieux sont... Voilà. Ouais, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Il sort d'où, lui? Enfin! Ouais, oh! Confringo! Incendio! Vous voyez pour qui? Bah, vous avez vu? Et non, mais il est vraiment apparu à côté de moi, il m'a pissé dessus, le bordel! Action! Levioso! J'en capture un quelques-uns, histoire de. Ils sont où? Revelio. Il s'est barré? Les vieux sont. Capture Ed. C'est du braconnage. Mais c'est pas du braconnage, on les sauve. Bon, enfin, vous connaissez pas le braconnage, monsieur. Ça n'a, alors là, ça, je vous le dis, ça n'a rien à voir. C'est braconnage, ça aussi? Ah, te voilà. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Tu crois qu'il me voit? Je sais que tu es là. Finissons-en, si tu veux. Vas-y, on a envie d'avoir un peu de fight, là. Ce n'est que l'échauffement. Reste le saut. Action. Tu es l'élève qui utilise. Action. Merci, mec. Y'a pas de braconnage ici? Je crois qu'il y a beaucoup d'ennemis dans ce coin-là. Ils doivent être en haut. Protego. Je lance. C'est l'heure de la balade, je crois. Allons-y. On s'enfuit, on s'en va, la dote sombrale. Alors, il me faut un crapaud violet géant avec le sac de capture. D'ailleurs, ça fait penser que tout à l'heure... Enfin, mais t'as la forêt interdite et tout, là, je la voyais jouer. Et là, elle commence à laver une bestiole, mais elle lui casse la gueule. Et je suis en mode, ah, c'est quoi comme monstre? Elle me fait, mais il faut faire quoi avec les crapauds? Je dis, mais non, c'est une créature magique, la pauvre. Elle lui a pété la gueule. Le pauvre crapaud, je l'ai vu partir comme un morceau de bois. Il s'est fait, mais humilié par la baguette magique de ma femme, quoi. Je dis, non, mais tu verras, c'est gentil, hein, c'est pour plus tard. Elle était là, tiens, le crapaud, là, sale chien. Elle était là, non, 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 arrête, arrête. Il te veut aucun mal, il est inoffensif. Je suis le crapaud. Elle lui a pété la gueule. C'était ignoble. Ça m'a fait vraiment de la peine pour ce pauvre crapaud. La grosse baguette. Alors. Donc a priori je dirais que c'est ici. Ah bah il y a de la bestiole là. C'est ça. Alors ils sont... Confringo. Incendio. Mais par contre, je bouge en fait. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Action.
J'ai un peu overkill. Légèrement overkill. Il y en a combien là? C'est la foire à la saucisse Voilà. L'odeur de la mort. C'est l'odeur de mort. Ok, c'est récupéré. Je sais qu'il y a un truc à faire avec les... avec les... comment ça s'appelle les, Revelio. Des papillons aussi là, qui sont sur le teco. Et je crois que c'est avec... il y a un petit coffre. Je crois que c'est avec la lumière. Il faut les faire suivre la lumière, il me semble. Lumos. Il doit y avoir un truc avec ça, je crois. Non. Bon, je dois rêver. Bref. Donc c'est ici, quoi? C'est quoi encore là? Ouah, j'avais pas vu lui! Oh mon dieu! Tu veux la jouer comme ça, mec? Très bien. Ça lui fait rien. Rien ou quoi, non? Eux, c'est vraiment les mecs qui prennent zéro damage. C'est super grave, hein. Putain, j'ai plus de popo. J'ai peut-être joué au con, là, non? Confringo. Expelliarmus. Incendio. J'ai peut-être joué au con. Voilà, je dis, j'ai peut-être joué au con. Effectivement, je me suis fait péter la gueule. Ils sont trop chiants, eux. Ah oh putain, faut redémarrer au dernier point de contrôle. Je sais pas où est-ce qu'il était, le dernier point de contrôle, mais j'espère qu'il était pas très loin. Est-ce qu'on a joué au con, là? Non, c'est bon, alors du coup, oui, c'était bien là. C'était bien là, c'est bon. On a fumé les mecs. Obtenir un crapaud violet. Faut qu'on aille chercher un crapaud violet, c'est juste que... Revelio. Il y a vraiment de la bestiole, quoi. Là, on a fumé tout le monde. Ici, il y a l'air d'avoir un truc, mais bon, c'est bon. Je pense que c'était juste le point où il y avait ces bestioles-là. Là, ils sont là, c'est eux, les petits crapauds. Les violons. Tu es une créature, Harry. Nos devoirs sont finis. J'arrive. Action. Oh merde, pardon. Je suis en train de le massacrer. Voilà. Merci. Je ne te fais pas de mal. Merci à tous, hein. Merci à tous pour cette magnifique démonstration. Non, il y a encore de la créature. Là, les machins spongieux, je sais pas quoi, là, les SpongeBob, là. Revelio. Et ça, c'est dingue, hein, ces bestioles, là. Je comprends pas qu'elle soit aussi forte en vrai. Là-bas, il y en a un autre. Action. C'est vraiment une poupée de chiffon, le bordel. C'est à moi. Voilà. Calme-toi. Oui, il y a un point max hein, sur les objets que vous obtenez. C'est juste que vous devez faire les épreuves de Merlin pour augmenter justement la capacité que vous allez pouvoir avoir à accumuler les objets. Sinon, il faut les revendre. Et franchement, c'est un des rares moyens d'avoir de l'argent, la revente. Donc, dès que vous avez des items qui vous servent à rien, allez revendre. Les amis, je crois qu'on a fini cette quête. On a fini complètement cette quête et on va pouvoir apprendre Bombarda. Et on pourra enchaîner, je pense, avec des scènes d'eau. Parce qu'il faut juste aller voir un cours. Donc, ça se fait, mais largement. Bombarda, c'est parti pour se bombarder la gueule. On y va tout de suite. Alors, Bombarda. Putain, c'est vrai qu'on est across the map. Hein. On est vraiment très très loin. Poudlard. C'est qui va nous apprendre Bombarda d'ailleurs là? T'es qui dans l'e-sport hein? Hop. La revente de popo, c'est un bis dans Poudlard. Mais déjà, juste, il faudrait que j'en ai assez pour moi. Vous savez que c'est limité à 25 potions d'ailleurs. Voilà, je vous le dis si ça vous intéresse. C'est limité à 25 potions. Maximum potion de soins, je parle. Les autres, je ne sais pas trop. C'est vrai que d'ailleurs, j'aurais pu utiliser pour mes combats. J'utilisais très rarement L1. Vous voyez, là, je me suis fait justement des items pour faire beaucoup plus de damage et tout. Et je pourrais utiliser un peu plus. Mais bon,
Les potions, c'est quand même long à faire. Enfin, long à faire, non. Juste que j'aille en faire plusieurs dans la salle sûrement. C'est que j'ai appris ça parce que ma femme, elle en a 25. Elle utilise jamais de potions vu qu'elle est immortelle. Dans le mode histoire, il n'y a rien à faire. Bon, attends, je me suis TP à côté ou au cross the map, là, je comprends plus rien. Encore ? Non mais on est où là ? Dans ma tête, on était vraiment à côté, hein, mais alors pas du tout. On est vraiment de l'autre côté. Immortel dans mon histoire, il y a pas. Non, mais quand je dis immortel dans le mode histoire, c'est dans le sens où en gros vous pouvez. Pour perdre, faut vouloir. Voilà. Faut en vouloir de perdre dans le mode histoire, hein, tout simplement parce que. En gros, là vous avez vu, quand je suis en combat, il faut que j'appuie au bon moment pour esquiver, pour envoyer les dégâts, pour machin. Ah, plateau d'attraction, le duel, faudrait peut-être qu'on se fasse ça. Et le mode histoire, non. Il n'y a pas ça. En gros, ça arrête le temps et ça te dit sur quoi appuyer. Donc c'est vraiment, faut en vouloir pour mourir. Vraiment en vouloir pour mourir. Faut être AFK pour perdre. Il y a un peu de ça. Mais c'est très bien. Parce que justement, je disais, moi, par rapport à ma femme, elle a pas du tout l'habitude de ce genre de jeu. En mode difficile, elle joue pas, elle s'amuse pas. Ah, un nifleur ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Il est tout nu ? Aveugle. Très bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Merci. On manipule vraiment trop de boost dans ce cours. Je suppose que vous voulez apprendre un... J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite Pourquoi mise c'est en elle qui m'apprend Bombarda, d'ailleurs. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolu. C'est un sort qui a l'air d'être hyper violent, le juste au nom. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. J'aurais eu plus de... Enfin, soit c'est plus logique que ce soit le professeur de défense contre les forces du mal ou ce genre de choses, tu vois. Ou un élève, un peu comme quand on a appris... comment s'appelle le sort de feu, là. Pas Incendio, l'autre. Oui, bien sûr. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Confringo, il vous faudra pardon, oui, faire voilà. preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Ah. Allez-y. Ok, nouveau sort. De beaux mouvements réguliers Bombarda. Avec la raquette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion est très sensible. Ok, nickel. Bravo. Passons à la pratique. T'as fait aucun des devoirs de Sharp ? Si, on en a Allez-y. Fait qu'un seul pour l'instant. Faites un essai sur les citrouilles. Pour faire 10 Findo. Alors, Bombarda est débloqué, les amis. Bombarda. On va le mettre évidemment ici. Alors, on s'est dit qu'on faisait ça. On va enlever ça et on va mettre ça. Bombarda. Vos mouvements sont excellents. Merci. Lancez le sort exactement comme cela à chaque fois. Ah ouais. D'un geste activé et maîtrisé. Ça a l'air quand même assez énervé. La Bombarda, ça a pas l'air de... Bonsoir, hey, monsieur. Il aurait pu exploser, le mec, quoi. On vient d'en prendre Bombarda, mesdames et messieurs. Tout va bien. On peut maintenant faire exploser des élèves. Ou faire exploser des citrouilles. Bon, je maîtrise très très bien, apparemment. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ah, mais c'est une poudre de cheminette, là. Putain, on aurait pu TP dessus. De vous revoir. Qu'est-ce qu'on est con, mais qu'est-ce qu'on est con. Waouh. Niveau 2, ça ne sert à rien pour l'instant. Très bien, c'est récupéré. Vous voulez qu'on aille, choper d'autres sorts. Donc là, en clair, on a, en termes de sorts, Kogawa qui... Kogawa, ça fait un moment hein, aussi pour Glacius, mais il faut éclater des ballons vers la gare de Préolar. Ah putain, j'avais pas vu éclater des ballons autour du terrain de Quidditch. Ok, bon, ça on va pouvoir le faire aussi rapidement. Flipendo, il faut qu'on aille faire pousser du 6 cimbres. Justement, on en a besoin, donc peut-être aller en acheter. Sharp, Diffindo, c'est vachement bien. Il faut qu'on obtenir et utiliser une potion d'invisibilité. Et obtenir et utiliser un breuvage contre des ennemis.
Et Onai, c'est juste aller faire la divination, assister au cours de divination pendant la journée. Vu que là, on est pendant la journée et que c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire, je pense qu'on va d'abord aller faire le cours. Comme ça, on est tranquille, on est bien. Et puis, on sera très bien. Et après, on reprendra la trame principale. On reprendra la trame principale parce que, mine de rien, moi, c'est ce qui m'intéresse, effectivement. Mais là, je vous ai demandé ce que vous vouliez voir un petit peu, et c'était qu'on apprenne plus de sorts. Donc là, on va en bombarder. Là, du coup, je suis en train de penser qu'il me restera ça. Là, ici, il faudrait que je le fasse. En gros, je vais utiliser mon... Je vais utiliser ça pour les sorts de contrôle, on va dire. Ça, putain, ça va être dur de, en combat de tout utiliser, mais il faudra y penser, quoi. Ça et ça. Ça, ça va être vraiment offensif. Et après, bah, tout le reste, on va le mettre à gauche, je pense. Et je le changerai à chaque fois quand on ira voir les animaux, machin et tout ça. Je pense qu'on va faire comme ça. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Oh. Il a Sectum Sempra dans le jeu? Non, je crois pas. Bah, de toute façon, c'est impossible qu'il y ait Sectum Sempra dans le jeu par pure logique, puisqu'on est d'accord que Sectum Sempra c'était inventé par Severus. Je vois pas pourquoi ce serait dans le jeu. Ça n'aura pas de sens. Un petit cours de divination. On y va. Rogue et Panay, ouais, voilà, on est, c'est ça. Là, on est 200 ans avant Harry Potter, donc Severus n'est pas le prince de s'en mêler. Ça, ça a l'air d'être vraiment le cours le plus pété de l'univers. Ça et l'astronomie, oh, qu'est-ce qu'on s'en branle. Enfin, c'est comme mon avis, d'accord. Oh, regarde, je vois ton porte-monnaie qui disparaît puisque tu vas me payer pour mes cours dans le thé. Éclataxe. Regardez-moi là-haut, je suis en haut à gauche, en train de lire mon avenir dans une tasse de thé. Oh, qu'est-ce qu'on rit, J'ai oublié les cours sur les moldus. Non, parce que limite, tes cours sur les moldus, t'apprends à connaître les gens. Voilà, qu'est-ce que ça, ça va les gars. Calmos, calmos, hein. Pas d'embrouille, hein. Ah bah tiens, regardez ce que je vois ici. J'espère que ces devoirs ne vous ont pas semblé trop faciles. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve? Je vois la gloire, je sens un danger, je vois du pouvoir. Je vois du pouvoir. Je vois de bonnes choses. Après tout, l'avenir m'appartient et je prendrai ce qui me revient. T'as bien raison, mec. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les plus volontaires peuvent en changer la teneur. Et vous, vous ne semblez pas manquer de volonté. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Merci. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Bah merci. Canalisez votre magie vers votre... Alors je vois pas trop à quoi servir le sort Descend. Dans le sens où Axio je fais venir, l'autre je répulse, mais là Descendo, est-ce vous que c'est pour jeter un mec vers le sol? Pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement? Effectivement. On va tester ça. Descendo. Excellent. Je crois que vous avez compris. Les Yosso. Ok, c'est pas mal en vrai. Si, j'aime bien. Si, j'aime bien. Regardez le combo qu'on peut faire, c'est... Tu fais 1. Action. Descendo.
Vous allez devoir cesser de vous entraîner et mettre vos compétences à l'épreuve. Là, il y a un combo. Il y a un combo, il y a un vrai combo avec Dissendo. Pas mal. Faut que j'arrive à réfléchir à comment je peux organiser mes sorts. Là, je pense que ceux-là, je vais vraiment les laisser comme ça. Parce que c'est là où je vais faire les dégâts. En gros, là, les combos classiques, c'est de désarmer et ensuite de mettre la max. Après, je peux faire des trucs de contrôle. Là, c'est mieux parce que ça, ce qui est ici, là, c'est pour repousser les mecs. C'est pas mal, mais j'utilise pas énormément. Énormément, énormément. Oui, je sais que j'ai révélu à faire. Il y a la page qui est derrière moi. No paniscos, les amis. Est-ce qu'on se ferait pas un... Est-ce qu'on se ferait pas genre ça? Et ça, c'est genre ça. Comme ça, on fait tac, tac, tac. Et on repousse, ouais. Ça, c'est fort. De toute façon, on a trop de... On va avoir trop de sorts, hein, je pense. Ça va être la folie. Hein. Parce qu'en gros, comment on pourrait faire? Tu commences comme ça. Expelliarmus! Action! Levioso! Descendo! Reflexo! Revelio! Merci. Il est pas mal. En vrai, t'as vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Expelliarmus. Action. Levioso. Descendo. Repulso. Oui, il y a des choses. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Action. Descendo. Le mec il prend salade, tomate, oignon, il se fait péter la gueule. Mais oui, bien sûr, tout va bien. Là vraiment, c'est une folie. Hein. La salle de classe détruite. Madame, je m'entraîne. On va rester sur ça. On va rester sur ça, ça. Ça c'est vraiment l'utilitaire. Mais je pense qu'à la fin, je vais vraiment me faire les quatre trucs en full spell offensif et basta, comme disent les Legends. De toute façon, il y aura trop de sorts. Hein. Il y aura trop de sorts au global, à part si on utilise, si on prend les trois là. Ça fait 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si on veut utiliser... non, ça fait pile si, on a pile 16 emplacements, en vrai. En comptant les spells de interdits, enfin impardonnables, les sorts impardonnables, et je compte pas les utilitaires. Ici, hein, pour moi, ça c'est de l'utilitaire. Ça c'est de la salle sur demande. Et ça c'est de la. C'est pour les. Comment ça s'appelle? Les bestioles. Donc, en gros, t'en as 16. Et en vrai, ouais, tu peux mettre les 16 pour préparer tout ça, quoi. Donc, il y aurait pas mal de choses. En vrai, des Sendo, c'est pas mal. Je pense que là, ça va rentrer dans une configuration où on va pouvoir mettre des patates incroyables à nos adversaires. Kogawa qui voudrait nous apprendre Glacius, on a Flipendo, on a Diffindo. Donc ça, c'est ça, ça, c'est ça. En vrai, on peut peut-être aller faire Kogawa. Comme ça, on va juste aller dehors. Dehors tranquillement. Attends, Kogawa? Comment ça, Kogawa, elle est across the map, là? Ah oui, putain, oui, d'accord, oui. Oui, effectivement, oui. T'en penses quoi du jeu pour l'instant, Gigi? Bah, à chaque fois que vous me posez la question, je réponds la même chose. Le jeu est un banger! Je m'éclate. Donc, vraiment, c'est un vrai kiff. J'adore le jeu. J'adore le jeu, c'est du pur plaisir. Oh, salut, man. T'as un truc avec lui, quoi. On aura pas, mec. Si on allait se promener un peu. Oh, la musique. Regardez ça. C'est le moment d'aller un peu plus vite. J'adore, j'aime trop.
Là, vraiment, j'aime trop. Donc, on doit aller péter les fameux ballons autour de la gare. Putain, j'ai 5000 balles, est-ce que avec... Non, ça me fait chier d'utiliser 5000 pour acheter le balai. Hein. Je vais pas vous mentir. Je me dis que ce serait un peu abusé. Et voilà, je lui explose sa mère. Nickel. Donc ça, c'est bon. Maintenant, faut partir côté Quidditch. On y va. Ils sont pas comptabilisés, c'est normal. Je pense qu'ils sont comptabilisés. Mais c'est juste qu'en gros, ce qui est marqué, c'est ceux du Quidditch. Regarde, voilà. La gare au Préola, on est à 5 sur 5. J'ai fait les derniers. C'est juste que dans l'ordre, il me disait... il part sur celui du Quidditch, je pense. Donc c'est good. Ah, c'est beau à Noël. Enfin, à Noël. En hiver, regardez-moi ça. On dirait de la magie. Ouais, j'achèterai un jour le balai. Bah, en fait, pourquoi pas maintenant? Parce que déjà, on doit aller acheter des popos et tout. Frère. Ça va coûter trop cher. Là, on va passer du temps à Préola pour préparer les prochains sorts. Ça va être important parce qu'à Préola, on va devoir récupérer et des recettes, des créasorts, faire pousser des trucs et tout. Donc voilà. Dire qu'on aurait pu jouer au Quidditch, quoi. Putain. Ils en ont pas fait. Ils en ont pas fait tout ça pour faire un DLC payant, putain, les bâtards. C'est sûr qu'il y aura du DLC, les amis. C'est sûr à certains. Je sais pas quand, mais il y aura du beau DLC, hein, du bon gros DLC qui arrivera. Après, moi, je suis pas en mode dégoûté qu'il n'y ait pas de Quidditch. S'il y avait eu du Quidditch, j'aurais été en mode, ah, c'est cool, tu vois. Mais... pas malheureux, quoi. C'est pas ce qui m'intéresse le plus dans l'univers d'Harry Potter, c'est pas le Quidditch, hein. Pas vous mentir. Hein. Sont les ballons. Okay, je vais monter, on va prendre de la hauteur, les amis, on prend de la hauteur. On monte le plus haut possible. On peut toujours pas aller à la volière aussi. Plus vite. Bah plus vite, attends, laisse-le respirer, Calvus, enfin. Ah, c'est vrai que les musiques sont incroyables. Bon, allez. Il est temps de bombarder. Il est temps de bombarda. Où sont ces ballons, là? Les gars, je suis full blind ou quoi, là? Ah, du coup, dit on irait. Ouais, non, c'est pas mon. Pas ma tasse de thé. Attendez. Il y a bien des ballons là, quelque part. Le long de la falaise? Ah, vous les avez vus? Merde. Derrière les tribunes, je les ai vraiment pas vus, hein, premier degré. Ah oui, bien vu. J'essaye d'aller si haut alors que pas du tout. Reviens! On doit aller chercher les ballons! Le dernier ballon, le dernier des Mohicans. Un jeu récent pour le Quidditch, je pense pas, mais il y avait la Coupe du Monde de Quidditch à l'époque. C'était un bête de jeu, hein, vraiment. Un jeu de fou malade. Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Jeu de zinzin. Tu peux jouer les équipes des différents pays. Ok, faut s'arrêter. Oh, garde ton énergie pour plus tard, mon ami. Voilà. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on est tout le temps en sombral, si vous voulez qu'on se mette un peu en hippogriffe. Parce qu'on a l'hippogriffe aussi. On a l'hippogriffe interdit. On a Caligo. Je sais pas si on est censé... Je vois qu'il reste un emplacement ici. Ce qui veut dire que si je vais là... Est-ce que les balais, ça veut dire qu'il y a tout ça de balais? Et est-ce que manche de baguette, ça veut dire qu'il y a tout ça de manche de baguette? C'est ça la question. Donc si oui, ça veut dire qu'il reste une monture volante ici à récupérer, quoi.
va aller voir Madame Kogawa. Kogawa ! Mais à bien vos différentes tâches. Madame Kogawa, je suis ravi d'apprendre que vous allez rejoindre le corps professoral de Poudlard pour enseigner le vol. J'imagine que votre travail à Poudlard sera moins mouvementé que votre séjour près du port de Yokohama. Mais qui sait, après tout, j'ai hâte de vous revoir. En attendant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un e-book bien cordialement, Mathilda Weasley. Oh là là, oh là, oh là, oh là, attends, oh là, Imelda, qu'est-ce qui... Les amis, professeur Black, de suspendre le Quidditch, comme vous le savez, intégrer une équipe de Quidditch professionnelle est mon plus grand rêve, et voilà que mes chances d'y parvenir sont réduites à néant, ou bien à pas grand-chose. Le professeur Weasley m'a intimé de me soumettre au jugement du directeur et m'a encouragé à m'entraîner seul. J'ai bien mis au point quelques épreuves d'entraînement, mais rien ne vaut un vrai match sur le terrain, je vous l'assure. Puis-je vous demander d'en parler au directeur ou au professeur Weasley? C'est toute ma vie qui sera fichue si je ne peux pas véritablement pratiquer le Quidditch pendant toute l'année. Les amis, je vous le dis, il y aura un DLC Quidditch, voilà. C'est trop. Ah. Serreur de niveau 2. Revelio. Il y a un truc, mais c'est pas là-dedans. Donc, on va pas y aller maintenant. Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez données. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre balai. Bien sûr. Pas vraiment. Oui, professeur. Dit-il en venant à dos de son bras. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bien, maintenant que ces tâches sont effectuées... On s'en remet à Black. Commencer. Glacius. Mais pourquoi tu nous apprendrais Glacius? Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Ça marche. Glacius! Très bien. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort dans mon bureau avant de le lancer ailleurs. D'accord. Ah, y a pas de soucis. On a Glacius, les amis. Alors, voyons voir ce que ça fait. Glacius ! Et voilà ! Vous apprenez vite. Oh, alors attends. Action ! Il a son compte, mais continuez à vous entraîner autant que vous le souhaitez. La kinesthésie est un très bon moyen d'apprendre. Descendo. Oh oui, on lui a explosé sa mère. Action. Glacius. Ah oui, d'accord. Quand il est glacé, en vrai, il prend... Si on peut Glacius dans les airs, mais il faudrait qu'on voit avec... Excellent, j'adore les bits. Glacius. Leviosa. Wingardium Leviosa. Glacius. Le Glacius, en fait, c'est vrai. Ça le met minable. Confringo. Bon, là, il prend la totale. Le fou a très très mal. Ok, très bien. Alors. On est niveau 22, c'est bon. Ouais, j'avoue, Glacius into Descendo, je sais pas ce que ça peut donner si on est comme ça. En gros, qu'on le met ici. Glacius Descendo. Ouais, je sais pas si ça passe. Action. Levioso. Descendo. Glacius. Faudrait que je le fasse dans l'autre sens. Action. Il n'arrive même plus à le prendre. Voilà. Leviosa. Glacius. Descendo. Ouais, tu vois, en fait, tu perds le focus quand tu fais. Peut-être que je le fais trop vite. Revelio. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Leviosa. Tu vois, tu fais un petit Leviosa. Là. Glacius. Descendo. Non, même pas. Tu perds vraiment le focus, quoi. Tu peux pas descendo après, après Glacius. Ça passe à travers. Ça passe à travers. Revelio. Et du coup, on avait du bruit ici. Plus là, donc c'était là-bas. Ça doit être par ici. Attends, quoi ? Y a plus le tintiment là ? Bah, frérot. On était là, il y était. Ah, attends, je deviens fou là ou... Revelio. Oui.
Est-ce qu'il est de l'autre côté? Levioso Glacius, pour voir si tu le maintiens en l'air, à mon avis, tu as dû. Bah, en fait, non, parce que tu fais Levioso, il est dans les airs, Glacius, et au moment où tu fais Glacius, le mec tombe automatiquement. Parce qu'il est glacé, donc la gravité, quoi. Là, ça me dit qu'on est hyper proche. Ah, il y a peut-être un truc là-bas. Ouais. Il doit être de l'autre côté du mur, je pense. Bon, après, Glacius puis Levioso, oui, je pense qu'il n'y a pas forcément d'ordre. Alors, attendez, c'est quoi ces duels-là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te défie au plateau d'attraction. Ah bon? Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronan. Okay, le bon. Plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu? Vas-y. Bon, il veut me tester. Je sais pas ce que je vais gagner, mais il fait trop le beau, donc on va devoir le calmer. Le plateau d'attraction, un jeu en constante évolution. Ok. Action. Oh, il a chier. Oh, il est rince-coque. Ma baguette a dû glisser. Ah, c'est à Calmus de jouer. Mes amis, on va tout simplement faire ça. Action. Voilà, beau gosse. C'était un coup magistral, bro. Action. Pas mal en vrai. Tout est dans le poignet. Je vais me faire 50 aussi. Ouais, on va lui faire baisser ses points, mec. J'ai pas fait exprès. Comment tu fais ça? Je suis juste un monstre, mec. Non, il va pas s'entrer. Le bâtard. Ce n'est rien du tout. Action. C'est tout simplement gagné, mec. Pas mal. Pas mal du tout. Bien joué. Tu m'as battu. Ouais, c'était facile. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner? J'espère que tu me donnes des trucs de fou ou... C'était un coup de chance. Voilà tout. Putain, chaque fois qu'on fume les mecs, c'est un coup de chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. C'est pas de la chance, j'ai plus de talent que toi. Tiens. Très bien, d'accord. Tu as raison, tu te débrouilles mieux que moi. Je vais dire aux autres que tu es apte à continuer. Les autres? J'ai perdu 7 manches d'affilée contre Samantha Dale. Les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas, c'est que tu n'étais pas de taille pour eux. Ah oui, d'accord, c'est le conseil 4. Tu n'es clairement pas fait pour ça. Écoute, Léandre, je ne sais pas trop comment te le dire. En fait, si. Tu n'es pas fait pour ça. J'aurais aimé que tu le dises de façon moins directe, mais tu as peut-être raison. Je suis vraiment un chien. Je vais dire aux autres que tu es de taille à les affronter. Oh putain. Il faut partir maintenant. Merci. Bon, c'est de la petite quête annexe. On récupère de l'XP, évidemment. Vous connaissez, hein. Vous connaissez The Chanson. Rebellio. Écoutez, en termes de cours, on est pas mal. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de savoir si je vais rester sur ce combo là avec Glacius. Je pense qu'on va rester sur ça. Et que là, on va y foutre Glacius en contrôle. Et on verra ce qu'on aura à mettre. Descendo, on l'a fait. On a ça à récupérer et ça en vrai. Non, et Defendo, oh, putain. En vrai, on a bientôt tous les spells. Il nous en manque techniquement, hors sortilège impardonnable, il nous en manque 3. Donc, s'il nous en manque 3, on peut go. Quête. Donc, Flipendo et Defindo, là, on va avoir. Bah, let's go. Faire pousser et récolter du 6-1, bon, de toute façon, ça match. Les deux, je dois aller après au lard. Donc, c'est absolument parfait. Ça tombe bien, je dois y aller, man. Donc, vous allez vite comprendre pourquoi on a économisé. Je vous ai dit, oula, attendez. Les prix, là, ils sont un peu augmentés. Préparez-vous. Préparez-vous à hurler. Et ensuite, on ira voir Sébastien. Préolard, me voilà. Donc. Diffindo, c'est obtenir une potion d'invisibilité et breuvage contre les ennemis.
Est-ce qu'on n'irait pas d'abord là? Est-ce qu'on n'irait pas d'abord là? C'est ça ma question. Oui, je pense qu'on va faire ça. L'amélioration de balai. Ah oui, vous avez raison. Après, l'amélioration de putain, je vais y arriver. Hein. L'amélioration de balai, il me semble que techniquement, c'est lui qui me le demande, je crois. Si je l'ai pas dans les quêtes, c'est lui qui m'appelle, je crois. Je sais pas si vous avez pas envoyé un message à un moment. Un hibou, une conne. Voilà, là. Albi Wix, il nous en a mis qu'une. Donc tant qu'il nous a pas envoyé, on n'a pas d'autre amélioration. Que deviendrais-je sans elle? Il y en a des trucs ici. Hein. Là-haut, là, c'est bizarre tout ça. Action. Peut-être aller voir. Bienvenue, entrez donc. Salut, Man. Salut, Man. Acheter des graines. Graines de sisimbre. Bah, de toute façon, on va tout acheter. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Et ça, c'est objet engrais. Ce compost riche en nutriments peut être ajouté aux plantes pour améliorer leur rendement. Allez, on va en prendre de l'engrais un petit peu. On verra ce que ça donne. Merci, on mec. N'accusera jamais d'avoir des... Donc, il faut qu'on fasse pousser et récolter du sisimbre. Obtenir les trois plantes de combat et l'utiliser simultanément. Les trois plantes de combat, c'est elle, elle et elle. Simultanément? Mais alors, comment tu veux que je fasse ça simultanément, Man? Je vais pas te mentir que ça me semble un peu complexos d'utiliser ça simultanément. Je suis obligé de les faire one by one, quoi. Ouais, c'est plus les trois à la suite, hein. Je pense que ça, c'est une erreur de trad. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok. Ma foi, on est pas mal. Et qu'est-ce qu'on doit aller faire? Oui, on doit aller au magasin de propos. En vrai, est-ce que je vais au magasin de potions? J'ai de quoi faire pousser des... Vas-y, tant pis, on va le prendre. Oh, non, ça me fait chier. Ça me fait chier d'utiliser autant d'argent. Vous savez quoi? On va aller à la salle sur demande. On va faire pousser les trucs et les potions, on pourra se les faire nous-mêmes. Ça va nous coûter moins cher. Et comme ça, pendant que ça pousse, on va faire la quête principale. Voilà ce qu'on va faire. Je vous le dis. C'est comme ça que ça va se passer. Hop, aile sud, pièce secrète, salle sur demande. C'est exactement ce qu'on va faire. Ce sera bien mieux. Moi qui suis pas fan de l'univers Harry Potter, est-ce que je peux être sur une bonne porte d'entrée pour faire apprécier l'univers HP? Bah carrément, hein. Carrément, parce que hors Harry Potter, déjà c'est pas Harry Potter, c'est l'univers d'Harry Potter, hein, c'est Hogwarts Legacy. Et effectivement, là il n'est pas question d'Harry Potter, c'est question de magie quoi. Donc si t'aimes un peu tout ce qui est... Ah oui, si tu n'aimes pas l'Heroic Fantasy et tutti quanti, bon là tu vas sûrement hurler. Hein. Mais sinon non, hein, ça se fait largement. Hein. Cet objet est en cours d'utilisation. J'arriverai pas à comprendre toujours comment ça se fait. Je ne peux pas modifier ce mur là. Je l'ai modifié une fois et je ne peux plus le modifier. Je sais pas si c'est pas un bug ou quoi, mais... C'est pas les cadres, hein. Non, les gars, je crois pas, hein. Revelio. Ça me fait la même chose. Je pense que c'est un bug. Il a été modifié une fois. Bon, tant pis, on va le laisser tel quel. Je pense que c'est un bug. C'est pas très grave. C'est pas extrêmement grave. Alors, nous, on devait récupérer ça. 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 Maintenant, on va examiner. Et on va enlever ça. Maintenant, nous, on a de la mauve douce. Des feuilles utilisées dans l'épreuve de Merlin, c'est ce qu'il nous faut, ça on va en avoir besoin, la même vie. On passe 10 minutes aussi. Lui on en a plus besoin, on va aller faire pousser du polygonome. Attends, mais j'ai pas pris de 6 simples là. Taille de peau inadaptée, mais attends, c'est une blague. J'ai envie de me couper les couilles là. Casse les murs. Taille de peau inadaptée, donc lui j'ai toujours pas. Polygonome, on fait pousser, donc c'est good. Raf est chier. Je vais me faire des popos vite fait. Ça, c'est chiant. Ça veut dire qu'on doit retourner après au lard, qu'on doit... En gros, ce qui me manque, c'est ça. Il faut que je vous montre vite fait, donc on va prendre ça. Et je pense que ici... Non, c'est pas là, pardon. Je crois que c'est là. En clair, il me faut des pots différents, regardez. Donc là, c'est des composteurs.
Là, on a les grandes tables de rempotage, les tables de rempotage moyennes, et là, c'est les petites tables de rempotage. Tables de rempotage scientifiques munies de 5 petits pots. Donc là, en gros, c'est des tables bien plus sympas, mais il y a des tailles. Faudrait qu'on arrive à choper ça. Donc pour choper ça, je pense que c'est à prix au lard et qu'il va falloir faire des trucs. C'est des créations, non? C'est pas ça? Il me semble. Il me semble que ça va être ça. Pour le coup. Les grands pots coûtent cher, ouais, j'imagine bien que ça coûte cher, j'imagine bien que ça coûte une blinde. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire le truc des popos en achetant de suite. Je me dis autant que je les fasse moi-même, ça me coûtera bien moins cher. Quoi? Putain, j'ai plus de jus de Orglup. Merde. Chier. Ok, bah il va falloir qu'on aille explorer, hein, tout simplement. Il va falloir qu'on aille farmer du matériel. Ça... La dictame, on va la laisser. Celle-là, on va l'enlever. Ça suffit, la dictame, on n'en peut plus. Mauve douce, je vais refaire de la mauve douce. Vous savez quoi? Voilà. Donc, on va laisser faire. On va laisser mijoter, comme on dit. Et ce sera déjà pas mal. Est-ce que j'ai tous mes sorts équipés ou pas? Normalement, j'ai les trois là, les trois ici. Tac, tac, c'est bon. Ouais. Ce qui fait qu'on est quand même obligé de repartir à Priolar. C'était quoi cette quête là? On devait faire pousser, récolter du cimbre. Bah c'est dead. Et obtenir les 3 plantes de combat et les utiliser simultanément. Ok, et Kogawa. Ah putain, Arresto Momentum, c'est s'entraîner à voler près des flèches, s'entraîner à voler. Voilà, en fait, ça y est, on a de quoi débloquer tous les spells quoi. Mais ça va pas être possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement aller voir la potion d'invisibilité et le breuvorage. Il nous faut... Je peux acheter les plantes directement, ça dépend combien ça coûte, mais... Breuvorage, c'est... Il faut fruits de figuier d'Abyssinie. Donc ça, je ne sais pas où c'est que ça se trouve. Et ensuite, on a la potion d'invisibilité. C'est celle-là. Il faut du brin de polygonome qui est en train de pousser. Donc ça, au final, ça se fera. C'est pas un problème. Ouais, je sais pas. Ça sera pas possible. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Chic aimerait vous parler quand vous aurez un instant. Qu'est-ce qu'il veut? Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Oui. Bonjour, Chic. Le professeur Weasley m'a dit que tu voulais me parler du métier à tisser. Ah, bonjour. Oui, à propos. Chic a eu une idée. Il... Hola, hola, Chic! Achik, achik, achik! Oh, oh, la salle doit penser que vous avez besoin de plus d'espace pour vos créatures. Mais la salle pense bien! Chic voulait vous dire qu'il a eu une idée. Chic sait comment vous pouvez tester le vêtement que vous avez amélioré avec le métier à tisser enchanté. Et peut-être venir en aide à un vieil ami au passage. Qu'est-ce que tu veux dire? Un elfe de maison nommé Tobbs récupère du jus de sangsue pour son maître dans une grotte près de Poudlard. Le maître de Tobbs lui interdit de quitter la grotte, et Chic sait qu'elle est infestée d'araignées. Ça a l'air horrible. Oui. Chic n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis un moment. Comme l'objet araignée, pourquoi avec le métier à tisser possède un enchantement utile, Chic a pensé que vous pourriez le tester en allant voir si Tobbs va bien. Je comprends. Je m'en occupe, Chic. Je vais retrouver Tobbs. Non. Oh, c'est la Tobbs. La Tower of Ball des amis. Sacré Tobbs. Belle Tobbs en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mais les amis, on a débloqué un nouveau truc. Revelio. Non, 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 non. C'est vrai que c'est beau. Non, mince. Revelio.
envie un peu. Parce que là, on se met... J'aime bien, moi, en fait, ce plafond, tout de même. Je sais pas si on en débloquera d'autres à terme. Ça, le cosmétique, là où ils peuvent être vraiment forts, Avalanche, c'est sortir des packs de cosmétiques. Parce que pour moi, le jeu, il mélange tellement de styles de jeu que, tu vois, il y a peut-être des gens, c'est qui, le truc sur la salle sur demande, ça va pas trop les chauffer. Moi, ils sortent un pack de cosmétiques, machin. Ma femme, c'est sûr, elle l'achète. Elle l'achète Day One. Waouh, c'est la plage! Mais attends, c'est énorme. Mon Dieu. C'est qu'on a d'autres créatures. Combien on peut en mettre ici? Créatures actives, on peut en mettre 12 aussi. Et 4 espèces. On va mettre les dodos là. Les grenouilles. On a eu aucun shiny là. On n'a pas eu de shiny par contre. Avec eux. Okay. On met 3 de chaque. J'avais un shiny. Voilà. Adieu. Oh non, les petits bébous. Ils veulent qu'on les soigne. Attendez, on va les soigner. Elle est dégueulasse. Je suis pas très fan du crapaud violet géant. Mais je vais pas lui manquer de respect. Ok. Il me donne quoi? Il me donne de la verrue de crapaud. C'est superbe. Donc comment ça 23 minutes encore? Ah merde. Ah oui, quand tu les remets dans le truc, ça arrête le timer. Ok. Pas de jaloux. Allez les bestioles. Nourrissez-vous. Mangez. C'est un jeu de fou. C'est un JDF les amis. C'est un jeu de fou. Ici elle est prête pour l'interaction. Tu ronfles. Reviens là. Mais attends mais... Mais prends ta bouffe bordel. C'est vrai qu'ils sont pas très beaux les crapauds. Voilà, il faut quand même dire la vérité. Ils nous font pas rêver les crapauds. C'est pas du rêve quoi. Tiens, toi tu me dois une plume. C'est bon, et là-bas. Attends, non mais je vais pas te courir après. Je t'en supplie. C'était lui en fait. Parfait. Non, en fait c'est pas mal parce que du coup on va avoir plusieurs biomes. C'est bien ce que je pensais. Hein. Ils vont pouvoir vivre ici. On a ce biome là et l'autre biome du coup ils doivent être en légende là. C'est bon mes petits gars. Ok, ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'on peut passer là ou pas? Oh, il y avait un coffre depuis le début. Du sol. Ah oui, c'est vrai qu'on peut ici on peut poser des trucs aussi il me semble. Il me semble que dans les spells, si je vous dis pas de conneries, ça... Ouais, voilà, on n'a jamais posé des trucs ici. Je peux peut-être poser la flèche de... Voilà, on va leur mettre un truc, histoire de dire, quoi. Ouais, superbe. Vous en voulez d'autres ? On peut poser des petites choses à côté. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. J'imagine que c'est pour poser des statues, mais j'en ai pas là. Objet de créature, c'est quoi? Enclos de reproduction. Enclos de reproduction! L'enclos de reproduction permet de faire se reproduire de créatures et d'obtenir des petits.
Oh là 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 là, mais non, mais non. C'est trop. Station de nourriture, cette grande mangeoire permet de nourrir vos créatures. Boîte à jouer pour créatures. Oh là là, mais c'est, on a une station de baise, les amis, et ça, mais ça, c'est fou. C'est complètement dingue. Recherche de Billy Wig, c'est quoi ça? Billy Bog. Une ruche conçue pour abriter des Billy Wig bourdonnants, amène-puis avec précaution. Ok, on va la mettre. On va la mettre vers là-bas. La petite ruche là, de Billy Wig. Pourquoi c'est ça? En fait, il y a trop de trucs à débloquer, mais c'est n'importe quoi. Un petit banc, c'est posé. Un mini banc. Un mini bang. Ah, on peut pas poser là. Ah, on peut pas le poser dessus, ça c'est dommage. Oh, regardez qui voilà. C'est Pulcria, comment tu vas, man? Attends, là. Je pose un petit. Je pose des petits bancs. À droite, à gauche. Tu vas bien ou quoi? Ça va, gars? Bah ouais, nous ça va, écoute. Attends, on pose du banc là, on pose tranquille, voilà. Je mets juste deux bancs. En fait, ça me prend des ressources, ces conneries là. Surface de sol. Oh là là, là, là c'est trop. Je mets juste deux bancs. Est-ce que je peux m'asseoir sur ce banc? Si je peux m'asseoir, c'est le meilleur jeu du monde. Je ne peux pas m'asseoir. Ce jeu est nul. T'as besoin de quoi, Sepulcria? Tu veux manger, c'est ça? Allez, va, c'est pour toi. Nourris-toi, va. J'ai bien compris que t'avais une petite fringale. Et regardez! Des abeilles! Oh, c'est mignon. Tout est fait pour nous faire passer notre vie sur le jeu. Les chiens. J'ai une famille à nourrir, moi. Allez hop. Pour manger, les gars. Vas-y, tiens. Régale-toi. Toi aussi, t'as faim. Hop, voilà mon pote. Ouais, bah ouais, j'avoue que la mangeoire, ça va bien nous aider, parce que faire ça à chaque fois, t'en as pour 15 ans, quoi. La mangeoire, c'est méga worse. Hop, tiens, fais-toi caresser un peu, là, le trou de balle. Toi, c'est pareil. Ah, les gars, tiens, toi, tu voulais graille. C'est pour moi. Non, mais c'est pas... Attends, c'est toi, là. Toi, t'as rien eu, toi. Ils ont une gueule, eux. Fusil. J'interagis. Je récupère. Ok, les gars. J'ai tout récupéré. Toi, file-moi tes plumes. Merci, mon. Oh, mais j'avais oublié lui. Comment il va, Nifleur? C'est le seul Nifleur qu'on a. Une espèce très très rare, hein, j'ai l'impression. Salut, petit Nifleur. Calvus possède un zoo. Bah, disons qu'on a, on a bossé, quoi. On prend soin des bestioles. Voilà, on est quand même une belle personne. Bah, caresse celui-là, les gars. Voilà. Four de nif. Je crois qu'on a tout. Ah, bah, en vrai, on aurait pu. Ah, bah, non, on peut pas en ajouter. Hein. Il nous en manque. Pas assez d'espèces. Ouais. La salle sur demande. Très stylée. Les capes de mange-mort, mais c'est une belle personne. Mais un mange-mort peut être. Ça peut être un mange-mort au cœur tendre. Voilà, je vous le dis. Écoutez, on a fait ce qu'on avait à faire de ce côté-là. Nous pouvons tracer nos Grand Morse. Effectivement. Côté Préolard ou pas, du coup? Ou est-ce qu'on part directement sur la quête principale? Ah, j'hésite, hein. J'hésite. Non, je vais aller à Préolard. Je vais aller au Préolard pour voir. Attends, on va en profiter. Écoutez, on va aller visiter un peu Préolard. Enfin, visiter. Bien grand mot. On va aller voir ce qu'on peut acheter. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Oui, il existe plus accueillant que Préolard, hein. Je te le confirme directement. Revelio. Hop, ah. Ah. J'ai entendu un petit cling. Un petit cling. C'est où, c'est là? Non. Le cling avait l'air plus proche de là-bas. C'était ici. Voilà.
Let's go. Donc, comme on a dit, nous, ce qui nous intéresse de ce côté-là, déjà, c'est d'être invisible et d'aller prendre 500 balles. Mais au-delà de ça... Bonsoir. Merci. Au-delà de ça, ce qu'on va vouloir, c'est aller récupérer les bons ingrédients. Je t'ai dit de ne jamais aller là-bas. Allô, Mora. Il faut qu'on aille voir le mec au parchemin, là. Peut-être qu'il va nous donner des créasorts. Alors, je sais pas quels vont être les prix. J'aimerais augmenter la taille de mes pots, du coup. On va prendre les prochains spells. Dans le jeu de luxe, j'ai pas encore fait gagner l'édition de luxe. Je l'ai, elle est toujours là. Je vous ferai gagner une édition de luxe tout à l'heure, effectivement. Parce que j'en ai une dont je n'ai rien à foutre. J'ai une édition de luxe sur... Ah oui, c'est vrai que je l'ai dit en début de live, mais il y avait moins de monde. Aujourd'hui, je ferai gagner une édition de luxe du jeu, mais sur PS5. Voilà. Alors, évidemment, je ne peux pas empêcher les gens de participer, mais la logique voudrait que ceux qui ont une PS5 participent. D'accord. C'est toujours plus sympa. Donc, si vous avez une PS5, vous pourrez participer. Je pense qu'on fera ça en fin de live, avant de quit. Ah, je crois que c'est un coffre avec un œil, celui-là. Ouais, c'est ça. Oula, il est bourré ou quoi? Ça va, frérot? Enfin, la moindre des choses, c'est de s'excuser, hein. Oh, la vie de ma mère, tu m'as mal regardé. Bombarda. Danse. Voilà, bouffon. Putain, il est très résistant. Mais ouais. Donc du coup, j'ai une édition de luxe parce qu'on m'a envoyé la collector. Donc évidemment, je garde la collector. Mais dedans, il y a une version PS5 de luxe avec les codes pour avoir... accès aux quêtes supplémentaires, enfin, quêtes exclusives, avoir l'uniforme de Mangemort, avoir les montures exclusives, etc. Et donc comme je ne vais pas l'utiliser vu que je l'ai déjà, bah autant que je vous le fasse gagner. Je vais pas le vendre sur le bon coin. Je suis pas un chien. Alors, on a dit quoi? On a dit, je crois que c'est ici. Je dis pas de bêtises. Oui, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme de me téléporter pour ça. Je suis vraiment une merde. Tu penses quelle heure exacte, Gigi, SVP, j'ai raté le début du live, je vais restreamer en replay. Quelle heure exacte, j'ai pas d'heure, je pense que quand je terminerai le live, un peu comme hier j'ai fait gagner une édition classique du jeu. Donc voilà, demain d'ailleurs j'irai les acheter, hein, j'ai les deux gagnants, à la sortie officielle. Et donc j'en ai fait gagner une au milieu et j'en ai fait gagner une avant de quitter le live. Prenez votre donc temps. Là, bah, quand je finirai, je pense. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Donc effectivement, alors combien ça coûte? 5000, 2000, 3000 pardon. Oh non, c'est du vol. Enfin... muni de 2, muni de 3, muni d'impôt moyen. Bon, alors c'est quoi? C'est création de station de nature. Bah, ça, on va le prendre. Hein. Ouais, c'est un grand pot, mais ça, on le prend déjà. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherche. Boîte à jouer, on peut attendre. Permet d'invoquer une table de découpe. Cette table fournit périodiquement un sous-produit végétal. Alors, gardez un œil dessus. D'accord, je sais pas trop ce que ça implique. Composteur de boost permet d'invoquer un composteur à boost utilisé pour créer de l'engrais qui servira à augmenter le rendement d'une plante. Ça peut être pas mal. Marmite sauteuse permet d'invoquer une marmite sauteuse. Ce type de petit récipient magique préparera périodiquement une potion aléatoire. Ouais, mais 3000. La vache. Bah oui, c'est compliqué de gagner de l'argent dans le jeu, hein. C'est pour ça qu'on gueule. Matériel de raffineur permet d'invoquer un raffineur de matériaux utilisé pour produire de la pierre de lune essentielle pour les créateurs d'invocations supplémentaires. Alors je sais pas si ça c'est worse pour le coup parce que la pierre de lune, on en a besoin pour la salle sur demande, mais est-ce que je vais avoir besoin d'autant de pierres de lune? Je sais pas du tout. Créateur de table de rempotage muni d'un grand pot. Ouais, deux grands pots. Il n'y a pas trois grands pots, parce que là, il y a trois petits pots. Cinq petits pots. Potion moyen en forme de thé. Deux grands pots, c'est cher. Un grand pot, en vrai, ça peut être pas mal, je pense. Je pense qu'on aura... Déjà, le grand pot, je suis obligé de le prendre. Dans un premier temps, à faire comme ça. Exactement ce que l'on cherche. Par contre, est-ce que ça vaut le coup, à votre avis? C'est ça, la question. Parce que j'ai l'impression que, pour l'instant, j'en ai pas forcément hyper besoin. En soi, tu dépenses pas souvent. Bah, en vrai, tu dépenses pas souvent, mais quand tu dépenses, c'est rapidement cher. Donc, forcément... C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tu vois, il y a quand même des trucs à acheter. Mais oui, effectivement.
Je pense que pour l'instant, ça va coûter. En fait, ça coûte trop cher. Si je veux faire de la déco, et je suis pas très déco, en tout cas, pas pour l'instant. Pourquoi pas plus tard? Mais là, en live, j'aimerais bien qu'on avance plutôt sur le jeu que sur les décos, tu vois. Donc voilà, potion moyen, ok, c'est bon. Table de découpe, ça permet un sous-produit végétal. Alors, je sais pas si c'est bon, mais par contre, l'engrais, ça augmente le rendement d'une plante. Sauf que je veux pas rester à côté de la plante, donc c'est pas hyper worse non plus. Ça crée une potion. Ça peut être worse, mais 3000 balles, gros, j'ai plus de thunes. Hein. Vraiment, j'ai plus une thune. Hein. C'est vraiment. Vraiment, je suis à genoux, quoi. Non, vas-y, on va. Déjà, ça, c'est pas mal. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. On a la station de nourriture. La table avec le grand pot. Ça, c'est une très bonne chose. Et les potions, on ira plus tard. Attends, il restait un truc. Oui. Voilà, ça pète là-bas. Ce qu'on voulait faire, oui, c'était aller récupérer des... vendre mes créatures. Alors, enfin, vendre mes créatures, c'est horrible dit comme ça. Mais je crois que c'est elle qui les prend. À l'animalerie. On va aller à l'animalerie, les amis. Effectivement. Je vais vendre des créatures. Je suis un braconnier. Braconnier, au final. Tu te montes la tête. Personne ne peut... Bonjour. Oh là, c'est le si bon. Réveillon. Je suis preneuse. C'est un nifleur. Ah, on ne peut interagir qu'avec des domestiques. Mais elle, je peux les capturer, vous pensez? Réveillon. Piquedec, le propriétaire, Ellie Peck est une fervente protectrice des créatures. Bien sûr. Attendez, ma question c'est est-ce que je peux. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Effectivement, non, on peut la laisser tranquille. Alors, casquette féerique. Bonjour. Ah, bienvenue à Pic et Pec. Pic et Pec. Je préfère vous prévenir, je n'ai plus de fourrure de flaireur. Un marchand de louterie Sainte-Chasse-Poule m'a acheté tout mon stock et il a insisté pour que je lui apporte en personne, même si pour cela j'ai dû fermer la boutique. Apparemment, il avait eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui lui avait envoyé des poils de Womatou. Ce devait être un Américain, pour sûr, car ici nous n'en avons pas. Ah, ça pour sûr. Enfin bref, que cherchez-vous? De la peau de veau de lune? Des plumes de Dirico? Je devrais en avoir. Bah, je cherche à vendre un petit peu. J'ai envie de les retrouver, ces oiseaux disparaissent sans cesse. C'est vraiment pénible. Je vendais des Dirico dans ma boutique avant. Ok. Mais quand les clients rentraient chez eux, le fichu volatile avait disparu et ils voulaient tous être remboursés. Ça doit être agaçant. J'imagine que ce doit être assez agaçant. Il y a pire. Croyez-moi, la plupart des fournisseurs de plumes de faucifères pourraient être admis à Sainte-Mangouste. Rien de parce qu'ils sont zinzing, ding ding ding. On entend le cri de ces choses. Oh, mais un tel plumage, ça vaudrait presque la peine de devenir fou. Ça n'a pas l'air simple de remplir vos étagères. Ah, ça. Est-ce qu'elle va nous envoyer en quête pour remplir ses étagères, quoi? Vendez des créatures. Les affaires marchaient bien, mais j'en ai je vendais des créatures. Tête des plaintes des parents. Ce n'est pas de ma faute si les enfants attrapaient des puces à cause d'un flaireur. Oh, vous auriez dû les entendre. Non, franchement, je préfère vendre des sous-produits. Et j'aime m'assurer que les créatures sont entre deux. Oh la vache, elle débite, hein. Ouh, elle en a des choses à dire. Ses propriétaires potentiels. Je vous laisse faire un tour dans la boutique. Les produits sont sans cesse renouvelés. J'avoue qu'elle nous raconte, et merci pour les subs et les subs, et ça c'est Mère Castor là, effectivement. Dès que vous avez besoin de quelque chose. Et pour sûr, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Les articles partent vite, littéralement. Merci, vous m'en faites pas. Prenez énorme votre temps. Et merci. Putain, de... ta gueule, pardon, excusez-moi, waouh. Qu'avez-vous à la vente? Non, je suis pas comme ça d'habitude, mais là, bon... Combien ça se... 120. Cette pauvre petite créature, je vais la vendre 120. Vous pensez vraiment que je vais vendre ces pauvres petites créatures? Oui, bien sûr. Ça ne me dérange pas de commercer avec certains clients. Vous savez où me trouver. Allez hop, ça dégage. Voilà, merci pour les thunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Du crin de licorne. La verrue de crapaud, c'est 400 balles, putain. Mais je fais bien de... Waouh, ok. La fourrure de boursouf. Plume de Dirico. Alors nous, ce qu'il nous fallait... Putain, j'ai oublié. Je crois qu'il nous fallait ça, de la plume de Dirico. Non, c'est pas ça. Si, c'est peut-être ça. Je ne sais plus. Plume de faucifère. Il nous fallait des choses. En tout cas, il nous fallait des choses. Je serais ravi de vous revoir.
N'hésitez pas à revenir quand l'envie vous. On reviendra plus tard. On reviendra plus tard. Je sais pas si t'es dans les quêtes ou quoi, mais je pense pas. Récolte du 6 simple, sans s'en fout flèche, potion d'invisibilité, lignée, parler à Sébastien. Bah oui, de toute façon, on y va, donc ne t'inquiète pas. Poppy, Paris Pipine, les lunes de Méguise qu'on doit faire. Quoi ? Rapporter des lunes de Méguise 0 sur 9. Bon, j'en ai. J'en ai pas 9 encore, mais j'en ai quelques-unes, effectivement. Et là, c'est des 1, 1, 1. Ça, c'est pareil, ça fait 15 ans qu'on aurait pu y aller. Niveau recommandé, 10. Bon. Il y a un moment, il faudra peut-être aller le faire aussi. à un moment. Nous, on va aller là, messieurs, dames. On va retrouver Sébastien près du Belvédère. Et c'est ça qui nous intéresse.